Bonjour à tous. Pour ce plan blues, cette fois-ci, on va jouer au bottleneck. Donc, petit tube. Alors, moi, je l'ai choisi en verre. Vous pouvez prendre un tube en acier, en cuivre, en laiton, un tube de rouge à lèvres ou une bouteille de bière, ça m'est égal, du moment que ça glisse sur les cordes. Alors, moi, j'aime bien le mettre sur l'annulaire. On peut le jouer avec le tube sur le majeur, sur le petit doigt. Tout est possible. Essayez différentes tailles de tubes. Plus petit, c'est pas mal aussi parce que ça bouge un peu moins sur le doigt. Le verre épais a l'avantage de sonner un petit peu plus riche que le verre trop fin. Les tubes en acier très fin, c'est pareil, ça donne un son. Déjà sur les cordes acoustiques, ça fait plus de bruit, mais ça a un son un peu plus maigre. Le cuivre épais, c'est pas mal, ou le laiton, sauf que c'est plus lourd et du coup, on a tendance à cogner un peu plus la guitare. Bref. Toutes les combinaisons sont possibles, ça va dépendre du tirant de corde. Moi, je garde mon tirant de corde ordinaire, c'est un light, donc 12-54. On est accordé en sol. Open de sol, donc ré, sol, si, ré. Le plan est en sol et on va démarrer en sol. Alors, ce qui est important, c'est de connaître un petit peu ces accords, c'est assez facile. Du coup, pour le blues, il y a trois accords. Ici, il y en a quatre parce qu'on a un mi bémol. Mais comme on est en sol, on a le sol, le do, le ré. Le sol à vide ou case 12. L'accord de do, case 5. Le ré, case 7. Et on retourne en sol. Ici, on va avoir aussi le mi bémol. Case 8. Donc le plan démarre case 12 avec la mélodie. On part du ré qui est à case 12, on glisse vers le do, deux cases plus bas, et on rattrape le si, corde de si, case 12, en l'attaquant par le bas. Suivi du sol, case 12. Et on termine généralement par un petit vibrato. Ensuite, on passe à l'accord de do. On va jouer là. Alors, on peut jouer simplement la mélodie. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'incorporer une basse si on joue tout seul. Donc on joue le do qui est là. Et le mi qui se retrouve ici, case 5. Donc on joue les deux notes en même temps. Là, on a une petite astuce. On joue sol, la, sol. Donc case 5, case 7, case 5. Mais on ne va pas faire un glissé de l'un à l'autre. Mais on va jouer la note, l'étouffer tout de suite, passer à la note suivante, la jouer, l'étouffer et redescendre. En fait, mon doigt joue la corde et se repose tout de suite sur la corde. Entraînez-vous à ça. C'est un bon truc pour s'entraîner à contrôler le son. L'important en slide, c'est souvent de contrôler les résonances qu'on ne veut pas. Donc, par exemple, quand on joue un accord, on va mettre l'index généralement qui se pose sur les cordes derrière le bottleneck. Ça évite que toute cette partie-là des cordes ne crée sa propre résonance et vienne perturber, parce qu'on va avoir toute cette partie-là de la résonance de la corde entre le bottleneck et le sillet. Ça, c'est la note qu'on veut entendre, donc il faut que ça résonne. Ici, cette partie-là, ça va en créer une autre note. Si on laisse comme ça tout ça libre, ça va créer une deuxième note qu'on va entendre aussi, qui va venir parasiter le tout. Donc il faut étouffer de ce côté-là. Donc en posant son doigt légèrement sur les cordes, ça suffit. Avec la main droite. Alors regardez, je ne sais pas si vous voyez bien, je joue la corde de si avec l'index. Mon pouce est posé pendant ce temps-là sur la corde de sol et mon majeur sur la corde de mi. Et mon pouce d'ailleurs étouffe toutes les autres cordes, ce qui fait que là, il n'y a que la corde de si qui est libre de résonner. Donc quand je vais jouer, j'aurai un son très clair parce que
Seule la note si résonne, tout le reste est étouffé, j'aurai pas de résonance parasite. Donc quand je joue la première note sur la corde de mi aiguë, je la joue avec le majeur et par contre ma corde de si est bloquée. Dès que je joue la corde de si, je viens bloquer la corde de mi avec le majeur et l'index joue la corde de si. Quand je joue la corde de sol, mon index vient se poser sur la corde de si pour la bloquer. Et le sol, du coup, joue la corde de sol et donc la libère, et ce qui lui permet de résonner. Bon, j'espère que tout ça est clair. En gros, les cordes que vous ne jouez pas, vous les bloquez et vous ne laissez vibrer que les cordes qui vous intéressent, celles que vous êtes en train de jouer. Ça vous permet de faire le tri et d'avoir un son plus clair, plus propre. Alors après, c'est un choix, c'est pour bien faire ressortir la mélodie. C'est une technique qu'on emploie assez fréquemment. Maintenant, on peut aussi laisser sonner plus de cordes et avoir plus de sons parasites. C'est intéressant aussi, hein, ce bruit de frottement des cordes, notamment si on prend un bottleneck en métal, ça fait un petit bruit qui n'est pas désagréable et qui est même voulu parfois. Donc voilà, il faut savoir travailler, apprenez à contrôler le son. Donc, on en était sur la corde Do. Et on vient glisser pour rattraper la position de sol en bas du manche. Si bémol, là, en glissé, donc case 3, case 2. Et le sol à vide. On vient rattraper le sol sur la corde de mi, case 5. Deuxième fois, c'est la corde Do sur les cordes de Sol. Pardon, c'est un Sol, c'est la corde de La, mais Sol, Ré, Sol. Donc, corde de La, corde de Ré, corde de Sol. Un vibré. Alors là, ici, par exemple, c'est pas mal de laisser sonner toutes les cordes. Ça fait un petit bruit typique du slide. On reprend le thème. Deuxième partie du thème. Là, la seule difficulté est rythmique. On a des syncopes. Donc on est à chaque fois à contretemps. Voilà, c'est là qu'on va venir chercher notre mi bémol. Et on va terminer par la reprise du thème. Voilà, cet exemple, vous allez le retrouver dans le volume 2 de mes Blues Books, dont je vous conseille évidemment la lecture. Cet exemple, c'est une bonne façon de travailler le bottleneck, indispensable quand on travaille le blues. Allez-y tranquille, faites sonner quelques notes, travaillez votre vibrato, lent, rapide. Large, serré, toute variante possible sur plusieurs cordes, sur les étouffer les notes dont vous ne voulez pas, travailler le son, écouter, c'est vraiment important pour la justesse, mais aussi pour la qualité du son. Voilà, bon travail, bon courage, bon plaisir, et on se retrouve une prochaine fois.